Allez, 73-51 à la station de la part de Dandy 33 dans les bouchons là, de la rocade de Bordeaux. 73 Dandy, opérateur de nom à votre conseil sur son courant. Affirmatif et certainement sur Facebook aussi. Oui, c'est bien ça. Ah, ouais, je te reconnais. Putain, en tout cas, il y a de ces mondes là sur la rocade là, vache. J'ai débauché à 16h45 là, de Mérignac. Et ben, j'ai pas encore. J'arrive à peine à la zone de fret là, de Bruges. Ok. Oui, c'est un bazar de rocade. Vous passez pas la bonne heure, mais c'est tout clair. Ah, c'est vrai que là, c'est. Pourtant, j'ai rien vu de spécial, mais bon, c'est comme ça. Ah, ouais. Ouais, c'est pas mal aussi. Et là, et encore, ouais, ça a pas trop mal roulé, hein. Parce que là, t'es là, par contre, je vois dans l'autre sens, et bien, les véhicules sont presque à l'arrêt. Oh putain! Alors, ça me fait penser que la semaine prochaine, j'ai quelques vacations en nuit, 18h30, 6h30, justement sur Mérignac. Et avec ce que je vois de l'autre côté, eh ben, c'est pas gagné l'affaire. Là, sur un article sur Facebook, là, concernant le 27 555 compte réservé. Concernant. Attends, j'ai pas compris. Hein. Le 27 555 canal de paix en USB. Est-ce que c'est les fréquences réservées? Alors, le 27 555. Déjà, à l'origine, est la fréquence d'appel du club, du groupe Alpha Tango. Mais cette fréquence d'appel a attiré tellement de monde. Et puis les Alpha Tango, ça doit être le ou l'un des plus gros groupes au monde, le groupe DX. Et ils ont attiré tellement de monde que du coup, ben, normalement, c'est le 455 à la fréquence d'appel DX. Mais tout du coup, voyons tout ce monde qu'il y a là sur le 555, tout le monde a migré dessus pour lancer les appels DX dessus. Donc ben, le 555 est devenu du coup la fréquence d'appel DX en uniforme Sierra Bravo. Ok, parce que je posais la question. Comme moi j'ai une longue attente, j'ai fait une longue pause radio, je vais poser la question. Oh oui, non mais t'as raison, au contraire, c'est avec plaisir si j'arrive à répondre. Ok, entendu. Bon ben je vais passer en QRT, je vais m'occuper des petits enfants maintenant. Je te souhaite du courage et une bonne route. Ok, merci. Au fait, là, je suis en train de faire une petite vidéo. Si ça te dérange, je supprime direct. Hein. Par contre, j'aurai pas le temps de m'en occuper ce soir. Ça, c'est sûr. Hachi. Ah, il n'y a pas de souci. Tu peux. Ok, merci. Alors, par contre, pour l'écho, le volume de l'écho serait pas mal. Ce serait pas mal si tu pouvais le baisser un petit peu. Parce que là, le volume de l'écho est presque égal à la voix. Et c'est vrai que par moment, là, faut vraiment tendre l'oreille pour décortiquer. Ouais. Ok, ben, j'ai coupé, mais je vais essayer de régler. Oui, je te remercie, 73-51, Dundi, et puis au plaisir. Ah là, pour le coup, t'as trop coupé, là. Hachi. Ouais, voilà, c'est... je sais pas comment tu l'entends, là, de mon côté, mais normalement, le réglage, ça doit être juste sur 1, quoi. Pour ma part, là, j'ai un Lincoln 2+, et dans le menu, le délai est au maximum, mais le volume, lui, est au minimum. Là, voilà comment j'ai fait au niveau du Lincoln 2. Et sur le CRT 7009 que j'ai au QRA, eh bien, j'ai fait sensiblement la même chose, c'est-à-dire volume 0 plus 1. Voilà ce que ça donne à peu près là, de mon côté là, au QRA.
Et là, je crois que ça ne doit pas être mal aussi, ça doit être suffisamment bas aussi pour que la voix reste compréhensible. Enfin, du moins, j'espère. Oui, oui, impeccable. Impeccable. Bon, mais je te remercie des conseils parce que j'ai même un poste. Donc, je te remercie, puis à bonne soirée, puis au plaisir. Ok, le Lincoln 2, donc. Eh bien, voilà, juste, tu mets juste le réglage au minimum, position 1 de mémoire, ça doit être ça, quoi. Voilà, au niveau du volume. Et là, parce que là, en plus, tu vois, là, je remarque un truc. Là, tu l'as complètement coupé, et du coup, ça fait remonter la radio. Voilà, donc, toi, ça montre bien que l'écho était vraiment, vraiment trop perché haut, quoi. Je te remercie. Allez, au plaisir, je coupe, je l'ai bien passé au petit. Allez, bonne soirée et au plaisir, à bientôt. Ok, merci. Les bandes sur 1351, 212 au QRA. Je suis en train d'arriver à l'étranglement là en bas du pont d'Aquitaine. Voilà, et puis eh bien, j'ai déjà tout dit. À la prochaine en fréquence. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Alors côté circulation, ben sur le pont c'est QRO malgré qu'il y a énormément de monde. Par contre sur la rocade, eh ben, c'est le caca, c'est bouché, bouché, bouché dans les deux sens. Bonne fin de journée à tous. Et 73, midi 2-4, eh bien, tu passes assez bien sur le pont. Hein. Là, par contre, ça y est, là, je suis passé de l'autre côté, là, je suis dans le virage de l'Ormont. Hein. Alors, lui, il est sur le département 24. Hein. Ça fait une belle petite distance par jusqu'ici. Ah, j'étais à peine sorti là de. Je suis en train de passer au niveau du radar. Là ça passe pour ainsi dire plus quoi, de mon côté. Ouais, c'est pas une station là. Ouais, on est 73-51G, tiens, il y a Billy 24 là du département 24 là, qui vient de passer là derrière. Ah, je l'entends derrière. Je te reçois à la station derrière, 73 de Véguin, de Saint-Laubès. C'est sur Bordeaux la station? Oh, moi je lui dis département 24. Il n'écoute rien cet animal. Moi aussi de mon côté j'ai du QRM, mais dans le pouls j'ai quelques problèmes à régler aussi de ce côté là. C'est au niveau du bloc alimentation là, que j'ai là, sur la prise MCigar. Attends, j'en vois un qui... voilà, ok, ça y est, c'est bon, c'est nickel. Déjà là j'ai isolé le cordon d'alimentation qui va du bloc d'alimentation jusqu'à la caméra, ça c'est fait, et il va falloir que je raccourcisse au minimum le fil ressort que j'ai de la prise de cigare jusqu'au bloc multiprise là, d'alimentation. Eh ben bordel, quand j'aurai fait ça, j'espère que ça sera fini ce coup-ci,
déjà en blindant le fil qui va du bloc d'alimentation à la caméra que j'ai là au niveau du pare-brise, j'ai gagné un point, enfin ça m'a permis de faire baisser les QRM d'un point, c'est déjà ça, c'est un bon début. Il ne reste plus qu'à voir la suite. Ah, j'ai pas eu le temps de m'en occuper de ça. Je sais pas si. Non, il est pas là. Il est pas là. Non, je m'en suis pas occupé du tout, j'ai pas eu le temps. J'ai eu que hier, en jour de repos, et j'ai eu d'autres trucs à faire et tout, ça. Et puis hier après-midi, je me suis dit, oh merde, j'ai pris la moto et puis j'ai été meilleur d'esprit un peu. Donc du coup, non, j'ai pas eu le temps de voir ça. Ah oh ouais, mais perds pas espoir, ça reviendra tout à l'heure. En tout cas, là, j'ai eu une journée là, très chargée, là. La vache. Hier, vu qu'il y a eu un truc au boulot hier, toutes les entreprises, livraison, ceci, cela, patin, couffin, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout le monde s'est lâché aujourd'hui, là, pour le coup. Plus une douzaine de camions convois exceptionnels. Alors, tous équipés CB, autant dire qu'on a discuté un peu. Ce qui fait que là, j'ai pas le temps de m'ennuyer, quoi. La vache. C'est toujours sur le même QRM et QTH ? Ouais, j'ai vu ça, je me suis bien fait baiser, là, sur le coup. Hachis trois coups. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça me donne du boulot. C'est déjà ça. Je vais pas me plaindre. Affirmatif, je débauche. Avec plaisir, je suis en train d'arriver là en haut là au niveau des feux de la sortie 26. Si je me trompe pas, si je me souviens bien, Billy Decat, c'est un RCI qu'il a là derrière. Enfin, devant lui, je veux dire. Ouais, de mémoire, je crois que c'est ça, un RCI. Moi aussi, j'en ai un, mais il est chez le réparateur. Et ça fait un bon moment que je l'ai quitté, je vais voir que je le relance. Hein. Ah. Dans ce virage, je ne suis pas tout seul. Hein. Ouais. Enfin, le licorne marche très bien. Hein. Oh oui, parce que là je t'entends très bien, hein. Il y a zéro souci. Hein. Monsieur avait le micro américain. Ah ouais, c'est à quelle marque ? Un statique ? Oui, c'est ça. Mais j'ai le micro sur pied, mais comme je sais pas la brancher. Ah. Petit deux micros sur pied, mais l'autre il est sur le RT. Ok, d'accord. Il n'y a que 5 branches, mais j'ai vu que sur le groupe il y avait quelqu'un qui allait partager des branchages et ça m'intéresse, tu vois, parce que justement, le Anelco, j'ai le branchage maintenant. Ah, d'accord. Bon, de toute façon, l'astuce elle est facile, hein. La tresse, déjà, c'est le commun avec tous les autres fils. Ça, c'est fait. Le fil qui passe dans la tresse, c'est le fil de la pastille de micro. Et pour ceux qui, restent, il suffit de faire contact avec la tresse et tu vois de suite ce que ça donne. Si ça passe en émission, ok, t'as trouvé celui-là. Et puis voilà, quoi. Hein. C'est extrêmement simple. Hein. Non, c'est compliqué, mais...
Ah oui, et puis il faut avoir un fer à souder à pleine fine aussi. Hein. Sinon, c'est vrai que la connerie est vite arrivée. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. Et bien là, pareil, hein, le bouton de changement de fréquence, il fait contact avec la tresse, hein, et puis tu vois de suite le résultat. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai que là, je l'ai vu, là, ce tableau là, des brochages, avec les couleurs de fil et tout, mais c'est pas toujours évident. Même dans une même marque, sur deux micros différents, tu peux avoir des différences de couleurs de fil, et ça, je l'ai eu. Enfin, je le dis à connaissance des causes, parce que je l'ai déjà eu, moi, au QRA, ce problème-là. Quoi. Avec un peu de patience, on finit toujours par trouver. Enfin, en général, je trouve que c'est pas. Ouais, voilà, exactement. Je sais que moi, c'est vrai que c'est fait belle durée tous les tableaux de brochage, je ne les regarde plus. Hein. Je démonte le micro, je fais mes petites recherches, je marque ça sur un papier. Ok, c'est bon, on va les peser. Allez, on soude, puis voilà. Voilà. Ouais, voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. J'ai eu le père Noniel en début de semaine. Tiens, ça fait un moment que je n'ai pas eu en fréquence, lui, tiens. Ah ben, c'est la dernière semaine de vacances. Ah, il est encore en vacances, lui. Oh, le feignant, ben. Ouais, il y en a qui sont pistonnés, hein. Ah oui, je vois ça. Putain, il doit être patron, lui, c'est pas possible. Ouais, ben, lundi, il retourne au charbon. Bien fait pour lui. Hachi. Exactement. Je vois que là, à la minute même, je suis en train de me promener aussi. Oh. Voilà, il faut que j'en prenne quelques jours au mois de décembre, parce que quand il vient de creuser la piscine, j'ai pas envie qu'il se trompe et qu'il creuse chez les voisins. Ah, je suis trois coups. Tiens, la semaine prochaine, je vais avoir des vacations en nuit. Ça va me changer un peu. Ah tiens, juste avant là, de passer le pont d'Aquitaine, là, j'ai une ancienne station qui fait son retour en fréquence. Donc toi, un OM de plus en fréquence. Qui s'intitule comment? Bonne question. Je sais même pas s'il m'a donné son QRZ. Bon, peu importe, de toute façon, je suis en train de faire une vidéo. Ça sera dedans directement au début de vidéo en plus. Donc il suffira d'écouter pour voir ce que ça donne. Alors, au début, il avait une chambre d'écho. Il avait la chambre d'écho d'enclencher, mais avec un volume beaucoup trop fort. Donc il faut vraiment tendre l'oreille et tout pour décortiquer. Quoi. Bon, après, il l'a coupé, ok, ça a été de suite. Mais effectivement, pour le coup, étant concentré là-dessus, j'ai pas fait gaffe s'il m'a donné son QRZ. C'est bien, encore une station de plus. Surtout sur Bordeaux, c'est pas du luxe. Oui, c'est sûr. Et qui a pas peur de venir sur le 19, qui a pas peur de venir du côté des 40 canoës M, Hachi. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, c'est chez nous. Ouais, ouais, mais bon, tu sais, de suite, je veux pas polémiquer ni foutre la merde ou quoi que ce soit là-dessus. Mais t'en as, dès qu'ils ont un certain équipement, ça y est, on n'est plus du même monde. Ah si, pourtant on fait la même chose, hein. On prend le micro et on part dedans. Ouais, quand on arrive des types, bon. Ah oui, j'avais pas fait gaffe, il est revenu. Toi, je te l'avais dit, t'as de pas perdre d'espoir qu'il était pas loin. Ouais, t'as parlé trop vite. Ouais, c'est ça, ben ouais, comme quoi, hein. C'est. Faudra que je regarde déjà dans un premier temps là, toutes mes connexions, s'il n'y a pas un faux contact quelque part qui me générerait ça. Parce que tu sais, des fois on cherche midi à 14h. Hein. Et donc il faut que je vois tout ça. Ouais,
Tu sais, quand ça faisait ça, c'est quand t'en mettais trop fort le micro en gueule. À chaque fois, ça recommence, ça le faisait, ça, trois fois. Ouais, sauf que là, je suis avec le micro d'origine. Si tu veux des micros propres, j'en ai de plein de tiroirs, je peux t'en passer. Ouais, j'en ai quelques-uns chez moi, hein. Dont un, oh merde, comment il s'appelle déjà, ok, il est assez joli, il ressemble un petit peu au micro, aux anciens micros Midland, avec, non, pas Midland, Cobra, avec les deux barres et trois grilles, verticales, ouais, il ressemble à ça, et il est vachement performant, puisque, attends, c'est quoi, c'est une pile dedans de 7 volts, je crois, un truc comme ça. Le truc pour les appareils photo, un truc comme ça, quoi. Et celui-là, putain la vache, par contre, il est un peu casse-burette à régler. Alors, je l'avais branché sur le Lincoln 2, mais le bouton des UP2 sur le Lincoln 2 est assez merdique. C'est-à-dire que je vais pas arriver à expliquer. Bon, bref, tout ça pour dire qu'à chaque fois que je passe en émission avec, ça me fait changer de canal. Alors, c'est un petit peu chiant, quoi. J'ai un micro parti rectangulaire, un peu plat, là, qui marche avec une Ça parle ? Ah, ben, tu m'étonnes que ça parle. J'en ai plusieurs, là, comme ça. comme ça. Alors, moyennement gros, j'ai deux OCB, un gris plastique vertical et l'autre gris métallique. Et en un peu plus gros, j'ai un pan ECM 2018 et un pan 2018. Donc c'est soit d'un côté, soit de l'autre. Vu la... Allez, je vais le cracher, vu ce que tu me dis au niveau forme micro. Ah, j'ai entendu quelqu'un derrière avec un voiture bip. Ah, j'ai énormément de QRM dans le push, là j'ai du mal à te sortir. Là. Ah, c'est bon, je suis passé au niveau du radar sur la Nacelle 89. Là, c'est mieux passé. Oui, je sais. Ce problème, je l'ai depuis début septembre. Mais j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus là, pour voir ce que c'est. Pourtant, je suis avec le micro d'origine. Ça m'a affiché un truc, un message qui correspond pas du tout à ça là sur le Lincoln 2 Plus. Alors ça m'affiche un message concernant le squatch automatique. Je vois pas le rapport. Enfin bon, bref. D'autres m'ont conseillé de voir un petit peu là mes branchements et tout, voir s'il n'y a pas quelque chose qui bouge là-dedans qui générerait ce genre de conneries. Donc à voir. Ah, j'étais à nouveau perdu là, et puis j'ai aussi un problème de QRM à résoudre dans là que j'ai juste depuis quelques mois, c'est tout. Hein. Là, un problème de QRM là, dans les push. C'est au niveau de l'alimentation, au niveau de ce que j'ai de branché sur la prise à MCGR. C'est de là que ça vient mes problèmes justement de QRM. Alors j'ai blindé déjà là toute une longueur de fil. Plus qu'un tableau rétractable pour que ça soit assez cuirot. Le bloc multi-branchement que j'ai, je l'ai complètement enveloppé là dans du papier d'alu. Il faut que je règle maintenant le problème entre le bloc multi-branchement et la prise à cigare. Là, il faut que je raccourcisse le fil à son minimum parce que j'ai un long ressort entre. Je me demande si c'est pas ce ressort qui me génère des QRM électriques.
car c'est pas à toi que j'ai appris ça, on a été cité, du moment qu'il y a un receveur, ça fait une self. Et ça te gênait, et ça génère forcément des conneries à ce niveau-là. Quoi. Alors j'ai un doute là-dessus, je me demande si ça vient pas de là mes conneries. Ça, ça doit être un problème de masse, une connerie comme ça, ou je sais pas, il y a en plus, oui, certainement. Hein. Mais bon, déjà, là, faut que je voie encore 600 là, en virant ce ressort là que j'ai là entre la prise à une cigare et le bloc. Déjà là, ça sera déjà pas mal. Puis bon, mais ça me génère vachement de QRM. Hein. Déjà, avant de. Parce que là, déjà, là, j'ai blindé là, le fil d'alimentation qui va du bloc jusqu'à la caméra que j'ai là posée là sur le pare-brise. Bon, j'avais 5 points de QRM, je suis descendu à 4. Bon, c'est déjà ça. Maintenant, là, faut que je vois le reste. Parce que c'est vrai que là, c'est assez chiant, hein, parce que là, ça m'empêche de t'entendre correctement. Quoi. Ouais Vega, retour à toi. Attention Gilles. Ah ben j'ai l'impression que Gilles il doit être pris sur autre chose là. Mais avec le QRM que j'ai dans le push, hélas, ça passe pas. Je l'entends pas. Mais bon, c'est lui qui m'entend, les modes sont 1351 de Dundee 33 sur la rocade de Libourne. Voilà, donc avec, j'ai un QRM de 4, j'ai pas vu là. Je vais avoir un QRM de 4 là sur le poste. Et ce qui fait que ça m'empêche de l'entendre. Ouais, c'est ça. Je l'entends parce que ça me déclenche un retour là sur le haut-parleur. Le haut-parleur que j'ai posé là, sur le tableau de bord. Et là, oui, ça m'affiche sur le Lincoln 2 à 59 Lima Oscar November. Voilà, et quand j'attrape le bouquin là du Lincoln 2, eh bien, ce message correspond au scotch automatique. Donc là, je vois pas du tout le rapport entre les deux. Ah, je l'entends plus. Ah ben oui, voilà. Maintenant, il m'affiche à nouveau l'autosmet. Toi, ça fait bien ce que ça veut. Hein. Donc, je sais pas, je comprends pas trop ce que c'est. Ouais, mais tu vois, comme quoi, là, ces postes de nouvelle génération qui sont complètement informatisés, c'est pas aussi, aussi évident que les anciens postes. C'est plus la même électronique, quoi. C'est... Parce que là, un souci comme ça, autrefois, on serait dit, bon, ben, ok, là, il y a un problème de masse quelque part, point barre. Que là, là d'où ça vient, ben je sais pas. C'est là je l'ai plus là pour le moment. Là, va savoir ce que c'est. Est-ce que c'est le logiciel qui fait l'andouille derrière? Je sais pas. Ouais,
c'est Ida, toi, c'est ton vieux micro, tu en as un peu. Ah, je suis en train de passer sur le pont là, de la rocade de Libourne là, qui enjambe la Dordogne. Voilà, je suis en plein dessus. Ouais, non, mais c'est sûr, t'as raison. Le problème, c'est que tous les vieux postes que j'ai à la maison, et j'en ai une petite collection, je n'ai aucun qui est fiable. Ils sont tous plus ou moins barrés, quoi. Voilà. Donc, donc dessus, il faudrait que je change tout ce qui est condensateur et tout, et ça. Vu le boulot que j'ai à côté, c'est même pas la peine, quoi. Ah, chi. Ou alors peut-être à la retraite. Attends, je suis au niveau, là, j'ai attrapé la sortie Bergerac, là, je suis au niveau là, des concessionnaires, c'est pas mal saturé de ce côté-là aussi, en QRM. Attends, je t'ai entendu parler, mais de là à dire à comprendre ce que tu m'as dit, non, il faut que je me sorte là de la zone. Là, je suis au niveau de la zone commerciale et tout, là, tout ça, là, avec la foire fouille et tout ça, quoi. Là, c'est toujours saturé de QRM là, dans ces coins-là, quoi. Voilà, ça commence à baisser un petit peu. Si j'ai bien compris, ouais, tu m'entends depuis Bordeaux. Bah oui, bah tu m'étonnes. C'est un petit peu normal, on va dire. J'ai du jus derrière, effectivement, puis bon, j'ai une bonne antenne aussi, là, une Wilson 5000 là, sur la voiture, qui, je dirais pas que c'est la meilleure des antennes, mais elle est très bien conçue, et ce qui fait qu'elle fonctionne très très bien, quoi. Alors, c'est une Wilson 5000. Ah ouais, non mais avant c'est vrai que j'avais la Santiago 1200 qui marchait très très bien. Ouais ça va déjà, je t'entends déjà un peu mieux là. J'avais la Santiago 1200 là qui marchait très bien et tout. Hein. Et puis bon j'ai eu envie de changer pour quelque chose d'un peu plus court. Parce qu'à chaque fois quand je vais prendre le carburant à Leclerc, à la Samagne de Castillon, j'avais la Santiago qui touchait un peu en haut. Quoi. Et là, en changeant avec la Wilson 5000, elle est plus courte. Et par contre, je me suis rendu compte que j'ai gagné un point avec. Alors, un point. Alors, j'ai testé une fois comme ça. Quand je l'ai réglé, c'était un jour où il n'y avait aucune propag, rien. J'étais descendu du côté de, je ne sais plus si c'est le 19 ou 19 alpha en inférieur. De ce côté-là, pour nous, il y a une balise justement là qui est sur ces fréquences-là. Quoi. Alors j'ai fait un test justement avec la Wilson 5000 comme ça pour voir comment j'y recevais. Je branche l'autre aussitôt là dans la foulée. Putain, je vois un point de différence. Et en émission, ça marche très bien aussi. Hein. En émission, je ne peux pas dire combien j'ai gagné, puisque bon, après, c'est très, très aléatoire, hein, suivant la propag, ceci, cela. Mais bon, déjà, en réception, je sais que j'ai gagné un point à ce niveau-là. Et c'est vrai que j'en suis content de l'antenne. Hein.
C'est, elle est vraiment bien comme antenne. Hein. Oui, bien sûr que c'est énorme, un point, tu m'étonnes. Et je vois là cette balise là qui est en inférieur. Putain, j'étais bleu quoi. J'ai regardé une deuxième fois. Je remets la Santiago 1200. Hein, je vois là, je me souviens plus combien ça m'arrivait. Je m'étais mis sur le parking du Leclerc, justement là, carrément dans le fond, là où il n'y a rien, aussi bien dégagé, bien plat. Moi, je m'étais mis là. Et je regarde à nouveau avec la Santiago 1200. Ok, je relève mon repère. Je prends mon repère, je remets l'autre. Ah bah si. Si, si, j'avais bien un point de plus en réception avec la Wilson 5000. Si, eh bien, bravo. Et il y en a une autre qui marche très très bien aussi. C'est la Striker qui a une self encore plus grosse hein, dessus. Là. Elle est encore un peu plus maousse hein, au niveau de la self. Je crois que c'est clair, même la nuit, éclairage bleu dedans, il me semble. Mais apparemment, qui ne gêne rien du tout. Hein. Et d'après les infos, elle serait même un peu meilleure que la Wilson 5000. Alors comme quoi, je connais un routier qui l'a, et c'est vrai qu'il envoie du steak. Hein. Putain la vache. Mais bon, il a aussi le poste qui va bien avec derrière. Il a un gros striker qui marche du feu de Dieu. Ouais, mais bon, le bobinage, il n'est pas là pour l'impédance, justement, je sais pas. J'y connais rien, moi, conception antenne. Ah, mais il est là pour l'impédance, mais il te rattrape aussi le... Si tu veux, c'est un genre de matcheur, il te récupère la longueur que tu ne fais pas. Tu le fais un bobinage, en fin de compte. C'est la longueur que tu ne vis pas sur l'antenne, tu le fais un bobinage. Oui, 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 bien sûr. Oui, mais bon, je pensais que c'était plus pour la pédance. Mais bon, ok, ça fait les deux en même temps, quoi. Oui, c'est pour la pédance, bien sûr, mais la pédance, si tu as un animal arrivé, tu as la pédance, là, tu es obligé de parler d'un bobinage. Les antennes où il n'y a pas de bobinage, c'est des antennes qui sont plus longues, parce que l'homme d'un tiers, tu n'as pas besoin de bobiner après. Ouais, c'est sûr. Parce que ouais, celle que t'as sur le toit de la maison, là, bah, c'est une onde entière que t'as dessus, hein, c'est bien ça. Hein. Ah ouais. Ah une onde entière, bon, il y a une petite bobine, je mets un ballon quand même, mais j'ai 11 mètres déployés, quoi. Bon, je suis toujours de bobiner un petit peu quand même, hein, parce que la canne à pêche, j'atteins pas les 11 mètres. Mais bon, j'ai un ballon quand même, mais bon, je me rapproche au maximum. Donc. Ouais, ce qui fait que tu t'es fait quoi c'est même plus qu'une 7/8 que t'as fait quoi. Comment tu pourrais la classer la tienne? Moi, c'est une onde entière, hein. Elle est en entière parce que j'ai bobiné, alors c'est une onde entière, moi. Voilà, mais je ne la bobine, elle est pas réelle entière. Tu vois ce que je veux dire? Elle est bobinée un petit peu, c'est pour ça que c'est. Ok, compris. Donc ça te fait, vu comment elle est conçue, ça te fait une antenne de quelle longueur physiquement quoi. Ok, d'accord. Ah oui, ça fait quand même une sacrée canne à pêche, oui. C'est qu'à te le dire en plus. Qu'est-ce qu'il me fait, lui hein? Je n'ai un qui vient de me faire une queue de poisson, il y en a qui roule comme un con là devant moi, là il est content. Voilà, ouais, ça les embête, hein.
dentiste. Et vous trouvez qu'elle marche bien, parce que le tatouage, ça s'en est depuis Bordeaux, sans problème. Ça pourrait avoir un petit peu de brésilement, mais je vous en ai dit, ça fonctionne. Elle fonctionne merveille, même elle est trop loin, elle est trop puissante, parce que elle va très très loin chercher. Oui, puis en plus, tu as la voie ferrée qui est à côté. Alors, ça par contre, ça doit t'amener du QRM à chaque fois, non? On va faire le backup, simplement, faire le backup, c'est tout. Ouais. Ouais, d'accord, ok, oui. Marc, bah oui, oui, Marc, ouais, logique. Bon, je vais le backup, il n'y a pas l'air d'armement, c'est un QRM. Ouais, toi, je viens de rentrer là dans Saint-Pédarvaux. Ouais, ça le fait plus, hein. Ouais, ben il s'est arrêté tout à l'heure là sur la rocade. C'est je sais pas pourquoi, toi, c'est bizarre comme truc. Hein. Ah, pétain, pourtant, et sur Bordeaux là, j'ai modulé là avant de t'avoir en fréquence. Ouais, là, ouais, ben là, là, à mon avis, on doit être dans le creux de la transition propag-été, propag-hiver. Si je me trompe pas, ça doit être quelque chose comme ça, quoi. Alors par contre, c'est en juillet. Ouais, je crois que c'est ça, oui. Attends une seconde. Voilà. J'ai croisé les papas 22, alors j'ai vite baissé le micro. Voilà, il me semble que c'est... Ouais, c'est en juillet. Ouais, il y a eu le Québec hein, qui est passé là sur le nord de France. Donc c'est, comme dirait l'autre, un très bon signe. Bon ben sur le précédent cycle de propag, là je me suis régalé aussi. Hein. Putain la vache. Je partais embaucher, j'avais le Québec en fréquence. Je débauchais le lendemain matin, je l'avais à nouveau en fréquence. Hein. Ouais, ben tu m'étonnes, j'ai un peu de puissance aussi derrière. Hein. Depuis Bordeaux là-bas, je t'entendais, bon, t'étais un petit peu de grésillement, mais alors pour la petite année qui était en haut, alors par contre t'étais monté à presque 5 à 7, tu vois, t'es monté. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Mais disons qu'en plus au début j'étais un petit peu fainéant à prendre des micros, puis j'ai entendu une station appeler. Ah putain, là ça m'a décidé de suite. Ah bon, c'est pareil, hein, le poste plus l'alphaliba derrière, ils sont tous les deux chauds. Là. Surtout en AM comme ça, ça chauffe plus vite. Ouais, la station en avant. Ouais, les invités de la station de midi 24, là, que tu as cheminé, les invités 73 avec Dundee 33 en mobile. Ouais, on montre qu'il y a du monde. D'accord, bien, pouce-poule, d'accord. Tu as quel niveau là? Alors.
On n'est pas là pour foutre la merde. Ah, ok, bon, monsieur, d'accord. Ok, mais moi, je suis sur les... On montre simplement qu'il y a du monde. Le long du ruban de Saint-Francis, voilà. Et le collègue, je ne sais pas si tu l'entends, lui, il est sur... Il était tout simple, pas une armée. Voilà, je ne sais pas si tu l'entends. Voilà, tu remontes le micro et puis il reprend dans le micro. Les personnes qui sont arrivées dessus, ils nous auraient demandé de faire QSY, et bien il n'y a pas de souci, on aurait fait QSY. C'est sans problème, bien au contraire. Mais là, le bon côté, c'est qu'on montre qu'il y a du monde. Bon, je suis en fixe, moi, je suis en fixe. Je suis avec RTI 2950, et puis un micro, un tourneur, super cinétique, compresseur. Voilà mes conditions de trafic, là, c'est en fixe. Voilà, alors, et voilà. Meilleur écoute de Rémi, t'entends pas, voilà, j'ai une station de Mussidan, là. Mussidan ? Ah non, et puis avec les QRM que j'ai dans le push, donc il va falloir que je règle. Non, non, ça passe pas du tout. 213-51 à la station de Mussidan de la part de Dandy 33 en mobile. Au niveau de Saint-Magne-de-Castillon, Sainte-Colombe, de ce côté-là. Il n'a pas eu le retour, mais dans les amitiés de Denis 33, l'opérateur Rémi à Montville, de Saint-Magne de Castillon. Voilà, ça va toutes les amitiés. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas Rémi, mais c'est limité, limité, voilà. Il n'y a pas de souci. Ok, bon, je suis quasiment rendu. J'ai envoyé les 113-51 à tout le monde, ainsi qu'aux écouteurs qu'il y a derrière, d'un part de Dandy 33, 14 km, 33-01, opérateur Rémi. Et ben, certainement à demain, puisque, aujourd'hui j'ai débouché à 16h45, demain je débouche à 17h, pardon. Donc, on va dire, je serai aux mêmes heures, quasiment au même endroit sur la route. Allez, bonne soirée à toi, à plus. Merci pour le QSO. Ok, il n'y a pas de problème, Rémi, mais c'est pareil, je peux t'inquiéter. Les amitiés à toi, je vous dis d'avoir tenu. Bonjour à madame, voilà, et puis à toutes les stations à l'écoute, les amitiés de Mini 24, frère de Daniel, surveillez tout ça là. A bientôt tout le monde. Bonne soirée, je passe un QRT. Bye bye à tout le monde.